pas, bon. Quand on veut les choses, on les a pas, quoi. Allez, on met 4 allumettes, là, il y a partir. Voilà. Ah. Je fis un feu. L'azur. M'ayant abandonné, un feu pour être son ami ou pour être mon ami? Un feu pour être son ami. Un feu pour être son ami, un feu pour être deux. Oui. C'est des trucs d'Éluard, c'est d'Éluard. C'est un petit peu... C'est un peu inepte. C'est un petit peu cucu. Mais la poésie d'Éluard, c'est... Oui. Au lycée, il y avait beaucoup de copines. Qui, les copines avaient... Oui, oui, les filles aimaient Éluard. Mais ça reste quand même très simplé. J'aime bien la poésie simplette. Et du coup, je me suis dit par cœur, ce sera mieux. Ils ont à peine 2 ans d'écart. L'aîné, Pierre Michon, né en 1945, est l'auteur d'une 15aine de livres, aussi brefs que puissants. Vie minuscule, le premier, paru en 1984, mais également Rimbaud le fils, Corps du roi, et Les 11, Grand Prix de l'Académie française. Jean Echenoz, le cadet, est l'auteur de 17 romans, dont Je m'en vais, récompensé par le prix Goncourt, et plus récemment Envoyé spécial. Leur première rencontre fut un coup de foudre entre deux écrivains qui sont aussi des lecteurs. C'était il y a quelques années. 87, 80, 90, 87, je ne sais pas. Oui, il y a une entre 20 et 30 ans. Trentaine d'années. Ouais. Trentaine d'années. La première fois où je suis allé parler avec Pierre Michon, c'était parce que je lis les livres de Pierre depuis Vie minuscule. Et j'avais envie de lui témoigner tout l'intérêt et l'admiration que je portais à son travail. Bon, puis ça commençait comme ça. On a sympathisé parce qu'on avait envie de sympathiser, parce qu'on s'était lu auparavant. Je crois qu'il y a eu quelque chose de très rapide et très fort entre nous, parce que le personnage correspondait peut-être un peu à ce qu'on en avait lu, et on avait envie de connaître ce personnage qui avait écrit ces choses-là. Les rencontres, c'est toujours comme ça, en fait. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. On rencontre les gens qu'on veut rencontrer, même si on dit que c'est par hasard. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Jean. C'est le lieu où ma mère a passé son enfance. C'est ça qui me tient le plus dans cette maison. Et qui fait que je ne veux pas m'en débarrasser ou la laisser complètement tomber. Cette maison, acquise par l'arrière-arrière-grand-père de Pierre Michon, se trouve au Quart. Un petit hameau situé en Creuse, sur la commune de Châtelut-le-Marché. C'est ici que Pierre Michon est né, et c'est dans ce jardin, à l'ombre d'un grand marronnier, que débute son livre « Vie minuscule ». Je lui dois beaucoup, cette maison, pour l'arrivée des Vies minuscules, pour la mise au jour des Vies minuscules. Mais depuis, je la traîne un peu comme une obligation, comme un... C'est un temple aux Vies minuscules, mais ça ennuie un petit peu de temps en temps. Il y a un côté caveau familial. Jean Echenoz connaît bien cette maison où il est souvent venu. Et il s'en est inspiré. La maison, mais également son propriétaire, Pierre Michon, apparaissent dans son roman « Envoyé spécial » paru il y a quelques mois. L'héroïne de ce livre, une ex-chanteuse de variété, est enlevée par 2 agents des services secrets, puis caché dans une vieille ferme isolée. J'avais besoin d'une planque, j'avais besoin d'une maison complètement isolée qui puisse être un lieu de réclusion, et puis un lieu de réclusion naturelle, c'est-à-dire au milieu d'un environnement assez sauvage. Enfin, ça, je l'ai un peu accentué dans le livre. Mais il y a longtemps qu'il avait envie de mettre cette maison quelque part. Il y a bien 10 ans, il m'a dit « je vais mettre un polar dans cette maison » au début, les premières fois. Et puis ensuite, c'est devenu... Non, j'ai ressenti du plaisir, enfin du plaisir. Oui, du plaisir. J'ai communiqué à Pierre le passage où il intervenait en direct. Ce sont quelques lignes, mais ça, je voulais avoir son accord. D'ailleurs, il y a eu une petite correction qui m'a suggéré, mais elle était déjà faite. Oui.
C'était une mauvaise assonance. Ça sonnait pas bien, oui. Ça sonnait cornichon. Oui, parce qu'il y avait... C'était, il disait, Michon répond en souriant, je sais pas quoi, répondit Michon en souriant. Non, bon, il y avait souriait Michon, et il y avait ensuite souriait encore Michon. Souriait encore Michon. Et Pierre m'a dit, encore Michon... Non, je t'ai pas dit, je t'ai rien dit du tout, mais j'étais très heureux de voir... Je l'avais déjà supprimé. Tu l'avais déjà supprimé. Je l'avais déjà supprimé, oui. Et en effet, ça allait de soi. Il fallait... Oui, oui, oui. Donc ça devenait réfléchissez, Michon. Oui, ils sont réfléchis. Oui, oui. Ça, c'est des trucs qui n'ont pas été publiés. C'est des trucs qui ont sauté. Actifs comme le crime, et cependant, ils ne font rien. Dans cette époque où les livres étaient aussi gros que des enfants, pourquoi ça non plus, ça aussi, ça a disparu. C'est vrai que les livres au 18e étaient aussi gros que les enfants. Enfin, pas tous. Pas tous. Non. Donc, si je n'ai pas mis, c'est parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est écrit à la main, c'est toujours émouvant parce qu'on voit aussi les abréviations, les façons d'avancer vite. Quand c'est barré, c'est parce que c'est recopié à l'ordinateur. C'est un va-et-vient sans cesse entre l'ordinateur et le papier. Où sont les choses? Est-ce qu'elles sont dans l'ordinateur? Est-ce qu'elles sont dans le papier? Je ne sais plus la plupart du temps. Et le texte se fait, en tout cas, entre les deux, avec les deux. Mais quand même, il y a un truc que je fais quand même à peu près systématiquement, c'est que il y a un G à la plume, quand même. Enfin, à la plume, c'est du crayon... papier. Il y a un G au crayon à papier que je mets tout de suite sur ordinateur et que je recorrige sur ordinateur. C'est donc plus déjà le truc qui est là. Non, puis l'ordinateur diffère la prise de décision infiniment. Oui. Alors que moi, avant l'ordinateur, je travaillais sur une machine à écrire, ouais. C'était tapé. Bon, il n'y avait pas de retour. Quoi. Si, mais il fallait tout corriger avec des trucs, c'était atroce. Ouais. Dans Le Roi vient quand il veut, un passionnant recueil d'entretiens, Pierre Michon parle de la littérature, mais aussi de son rapport intime à l'écriture. Écriture à laquelle il est venu tardivement, à l'âge de 37 ans. Je suis rentré dans ce domaine que j'appelle littérature, comme de plein pied, alors que je pensais en être totalement incapable. Ça a été effectivement, pour moi, une grande... Oui, une délivrance, enfin. Je me disais, j'aurais pas vécu tout à fait pour rien, puisque cette langue que je voulais tant parler, voilà que je la parle. Voilà que je me mets à la parler. C'est comme les aveugles qui retrouvent la vue, des choses comme ça. Et cette euphorie, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait trouver encore un langage plus beau pour la faire revenir, C'est très... D'autant plus que Les Minuscules n'était pas un livre que j'écrivais, comment dire. C'était un livre en attendant mieux. J'ai la manière de... Faisons quelque chose. J'ai fait ça. Mais ce n'était pas... Une fois que ça a été fait, je me suis dit, bon, maintenant, au travail. Bon. C'est ce qu'on se dit après chaque livre. Écrire un nouveau livre, c'est essayer de sortir de cet état de prisonnier des livres précédents. On a envie de se diriger vers d'autres domaines, d'autres types d'histoires, et même d'autres façons de faire, d'autres styles. Sauf que ça, on est un peu prisonnier de sa manière de faire. Et on ne peut pas du tout y échapper. Même en allant contre, on se retrouve quelquefois pris dans des choses qui sont trop familières et qu'il faudrait casser, mais... On est prisonnier très vite de sa voix, de sa propre voix, de ce qu'on a fait. J'ai souvent le fantasme de changer totalement de manière, de manière d'écrire, de changer, comme si je pouvais changer mon être. Non, mon être maintenant s'est greffé là-dedans, il est là.
Voilà, les codes cachés de la littérature, cette fois-ci. Pierre Michon, le roi vient quand il veut, et les vies minuscules. Voilà, Pierre Michon et Jean Isnos, finalement, c'est une histoire d'amitié.